à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Nuclear Game. Et je suis Alex, accompagné de qui? Mais de qui? On ne sait pas, je suis seul. Orkidor! Alias Titatou! Oui! Qui fait des sauts de joie. Eh oui! Pour une nouvelle aventure Minecraft. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Minecraft, ben c'est un jeu où on peut faire un peu tout ce qu'on veut, de la création, de la survie, de l'aventure, où on peut créer des aventures, où nous avons créé notre aventure, enfin. On a juste créé notre trou, et de quoi ça va parler? D'Unité Fox! Donc pour vous faire un... Mon merveilleux skin de Okidor, voilà. Qui est tout pourri, mais bon... Et le mien, ben c'est Igloo, mais bien habillé en fait en cuir, parce qu'il n'y a pas de respect... Et il me frappe. Donc voilà, ben, nos objectifs, on va en avoir plusieurs, genre créer une ferme souterraine, créer des... Enfin, une ferme, donc, de quoi bouffer avec des animaux, des plantes. Alex, explique déjà le lieu où on est, qu'est-ce qu'on fait là? Donc nous sommes en 2555. Nous sommes sous terre parce qu'il y a la pluie d'acide, parce que nous sommes l'unité Fox qui survivons dans les souterrains. Et donc, ben, nous avons réussi à faire pousser un arbre. Et notre but est de survivre. Donc voilà, on s'est mis 2-3 objectifs. Et donc, qui seront dans la description. Il y en aura qui se rajouteront au fur et à mesure. On fait ça un peu au feeling. On a des trucs de base. Donc, le lit de Tita avec le briquet, qui correspond à Okidor. La petite bière de Igloo. Donc, l'objectif d'Igloo, c'est de créer une usine à bière. L'objectif de Okidor, on ne sait pas trop. Une usine à briquet. Donc, voilà, on a un petit peu de matos. Alors, voilà, il y a des splash potions de poison. Donc, c'est si jamais on va en extérieur, pour dire les effets de la pluie d'acide, on a 1 minute 30 de poison, et donc ça devrait nous tuer. Et du coup, ben, on n'a pas le choix de rentrer, quoi. Un peu de terre pour faire pousser un arbre. Un peu de bois, de la chair putréfiée de zombies, et de quoi faire pousser un arbre. On essaie de vraiment faire le roleplay de notre série. Voilà, ouais. On mange de la chair putréfiée parce qu'il n'y a que des zombies, et du coup on bouffe que ça, mais on va essayer de se faire... on va essayer de... Donc voilà, le but c'est de réussir à créer une ville. On aurait peut-être dû mettre des œufs planqués de villageois, mais bon, on se démerdera autrement. On ira dans le Nether, on essaiera de transformer des petits villageois des petits zombies en villageois. Donc du coup voilà, on va se faire un petit format de 20 minutes à 30 minutes, ça dépend comment on avance, si on fait des ellipses ou pas, on sait pas trop. Et du coup ben on va commencer par couper du bois, qu'est-ce qu'on pense? Allez, coupons du bois. Ouais, getting wood. Donc voilà, grâce à ça, on va pouvoir se créer... Bon. Alors, la première chose que je vais faire, c'est faire une table de craft. Tu l'as fait toi? Bon, ça va. Voilà. Alors, si tout va bien, vous aurez la vision des deux écrans. Pour ma part, c'est le pack de base, et Tita, c'est le pack Wind Waker, a priori. Non, moi, je n'ai pas la vision de mon écran. Je la mets de suite. Ah. Non, mais si tu l'aimais pas, c'est pas grave. Hein. On peut faire que... Non, on peut faire que moi. Hein. Au montage, c'est que mieux. Oui. Bon, moi j'ai le... C'est dommage, j'ai le pack Wind Waker de Zelda qui est super bien et je viens de faire une connerie. C'est bon. Pourquoi il fait que sauter? Donc, de suite, moi, je vais me créer une pioche pour récolter un peu de pierre pour créer et un four et une pioche en pierre, tout simplement. Moi, je vais faire la même. Donc voilà, alors donc on va avoir plusieurs objectifs pour vous en dire un peu plus. Donc ben, je vous l'ai dit, faire une ferme, donc planter melon, blé, donc sous terre hein, de préférence. Melon, blé au moins. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura? Faire une ferme donc avec des poulets, des vaches, des cochons. Il faudra aller les chercher à l'extérieur du coup. Ce sera une grosse galère. Vu que nous, on sera empoisonnés, il faudra tirer les animaux. Ça risque de craindre max. Tout ce qui est sur terre, on ramène sous terre. Voilà.
On va dire que c'est des rescapés. Hein. On essaie de jouer le roleplay, mais on n'a pas créé de map exprès. On s'est juste dit, voilà, on crée un trou sous terre, on s'agrandit, on met le strict minimum pour survivre. Histoire de dire, voilà. Créer vraiment l'univers Unité Fox dans Minecraft, qui peut être vraiment sympathique. Donc j'ai déjà du charbon. Ah, c'est classe. Ensuite, il faudra donc aller dans le Nether pour qu'on puisse créer de quoi faire des potions, enfin des... tuer quelques blazes et tout ça. Vraiment jouer comme si on jouait dans Minecraft, mais avec le mode Unité Fox, c'est assez roleplayant, donc je vais parler comme ça. Et oh, qui dort, oh, qui dort, j'en ai marre de miner. Ta gueule. Donc voilà, là on a un peu de quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que j'ai fait un petit papier avec les objectifs, mais quelques-unes. Donc ouais, se trouver une forteresse dans le Nether, ça aussi, ça peut être pas mal. Et ensuite aussi, ce que j'aimerais bien faire, mais je ne vais pas en dire plus, c'est... Donc si on arrive à faire la ville, à bien tout survivre, enfin à créer un beau truc, c'est un truc, une construction spéciale, que même Titan n'est pas au courant pour le moment. Trop lololo. Tita. Oh, j'ai plus de son. Ah non, Tita a bugué, ok. C'est des choses qui arrivent. Bon, donc du coup, on va continuer en attendant Tita. Ça, c'est son... C'est Tita avec son ordi, il a peur de faire des bêtises, alors il refuse tout, et du coup, les logiciels, ils... entre eux, ça les rend gaga. Ah, il m'a envoyé un message, j'arrive. Voilà, donc ben, nous, on va continuer à miner. Hein. Donc, on a déjà un peu de charbon, je vais de quoi faire cuire, c'est déjà bien. Même si on n'a rien à faire cuire, mais il suffit qu'on trouve un peu de fer. On va aller creuser un peu en profondeur. Ça sera mieux. Allez, on va repartir de là. Hop, voilà, le petit Skype pour dire que Tita est parti. On va attendre son appel. Alors. Tac. La bouse, elle est là. Non, là, on devrait être good. Peut-être mon lit qui va gêner. Tant pis. On va le mettre là. Hop là. Spawn de lit défini, c'est bon. Tac, ensuite, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Oh, plus grand-chose, j'ai pas faim, donc ça va bien. C'est pas très très bon de manger du zombie. Ah si, je voulais me faire des torches. Oh bah c'est bien pour un début, 16 torches. C'est parfait. Allez, on va manger le charbon là. Ah si, je voulais faire aussi un four. Tac. N'importe quoi. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, pour ceux qui connaissent pas Minecraft, donc le crafting, la table de craft, ça nous permet d'avoir 9 emplacements. Dans ces 9 emplacements, ben, ça nous permet de créer des pioches, des fours comme là. Le principe du four, je mets en bas ce qui va servir de comburant et en haut ce que je veux faire cuire. Et puis il n'y a plus qu'à. Hein. Hop. Et nous sommes de retour avec Tita qui ne m'a pas abandonné. Je ne suis pas seul, c'est bon. Excusez-moi, c'est problème de box. Internet. Et ouais. Ah là 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 là, que des conneries. Oui. Bon, alors que disais-tu, Alex? Oh, je disais pas mal de choses et je viens de trouver une caverne et j'entends un petit squelettor. Oh, il est là, il est juste en dessous, mon dieu. Du coup, moi, je... Oh là là, il y a quoi en dessous? Il y a un slim, je crois. Oh, nickel. J'adore ton accent anglais. Attention, saute pas. Attends. Attends, attends. Ah, ah, on va agrandir. Et le charbon. Ah oh, mais... Allez, remonte vite. Tiens, attends, je te fais un escalier. C'est bon, t'as de quoi. Mais j'ai déjà du charbon en haut. Hein. Ça presse pas la minute, le charbon.
J'ai 14 torches sur moi. Oh, un bébé zombie. Oh mon dieu! Vas-y, vite! Attends, attends. Où tu le. Ouais. Il arrive. C'est des vraies pestes. Oh non! Il va me taper. Oh non! Bug! Et de retour, les amis, excusez-moi. Donc, après la mort de Tita, en fait, il a Pardon. Il a été téléporté à aller en haut. Donc, on a toujours le problème du zombie là-dessous, Tita. Il est encore là. Hein. J'y vais, je suis un fou. Ah, Alex, tu m'as empêché. Je vais me créer. J'ai plus de bois. S'il m'en reste un, mais j'ai pas de quoi. Et lui, il pousse pas. 1, 2, 3, c'est bon. 1, 2, 3, c'est bon. Donc, il devrait pousser plus tard. Tu veux des torches? Non, j'ai tout ce qu'il me faut, c'est bon. Non. Pas de torches, tant pis. Attends. Bon, de toute façon, moi, je vais aller à la recherche un peu de fer. De fer? Ouais. Ok. Et tu sais, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de grimper à la surface. Et je vais même prendre une potion. Allez, je suis un fou, moi. Je suis un gros fou. Fais le Mario, le fais. Fais. Allez, on espère trouver du fer. Putain, avec ma souris, là, je joue avec la souris du Mac, et du coup, ça me change aussi, à chaque fois d'objet. Mais du coup, je m'habitue à jouer avec les touches raccourcies, pour changer. C'est-à-dire? C'est-à-dire, pour quand je place un objet en 1, ben, j'appuie sur 1 pour avoir la pioche, tu vois. Au lieu de changer avec la souris. C'est trop galère. Bon, j'ai fait des torches, j'en place dans le coffre. T'en as pas fait trop, hein, quand même. T'aurais dû garder des bâtonnets, parce que j'en avais des torches. Ah! Parce qu'on va manquer de bois, en fait. Ah non, c'est vrai, j'ai oublié le problème du bois. Et je vais aller en chercher. Bah, de toute façon, il y en a qui va pousser, il faut rien poser à côté pour le laisser pousser. Ah, j'ai pas regardé la hauteur pour notre arbre. Punaise, tu crois ça? Je vais user ma pioche, là. C'est la mouise. Je vais essayer de choper. Par contre, tu m'as fait quoi, là? Tu m'as surélevé de 2. Mais non, mais parce que c'était comme ça. Je sais pas, c'est bizarre. Ah, c'est moi, peut-être, pour le zombie, alors. Ah ouais, voilà. Aha. C'est ça. Ah. Aha. Du charbon. Nickel, moi, j'ai que dalle. On aurait dû se mettre en début de la poudre d'os. Ça nous aurait été utile, je pense. Ouais. Bon, je suis bientôt à la surface, Alex. On n'a pas de... Ah bah écoute, si je peux mettre ça, je peux le péter à la main comme ça. Ben moi, je vais faire le fou. Je vais aller dans la grotte. Vas-y. Je vais prendre mes torches, tant pis. Je vais poser toute ma cobble. Ouais, tant pis, adieu pour ma pioche, hein, au point où on en est. Je vais me prendre que 5 trucs comme ça, et donc ça pour si j'arrive à pas m'en sortir ou quoi m'en sortir. Voilà, passe plus, nickel. Voilà. Allez, c'est parti. Je suis bientôt à la surface, je crois. F3. Oh, il y a du fer, c'est bon, j'ai trouvé ce que je voulais. J'ai même trouvé du zombie. Allez, on s'en prend 3. Ouais, 4, 5. Et ça y est, j'ai plus de torches. Putain, j'ai eu peur. C'est bizarre parce que je suis bien en hauteur, mais toujours. T'as creusé à 30 de profondeur, tu vois? Ah non, 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 on était à la couche 30. Après, je sais pas. Ah, carrément. Oui, c'est ça qui est bon. Ça y est, tu y es ? Du fer. Ah, j'en ai aussi. J'en ai 5. Hop, je le déposerai bien. Oh non, on a plus de charbon, là ? J'en ai un, moi. Putain, t'as tout pris, en fait. Ce que j'avais mis pour le... Ah non, il est dans le coffre. C'est bon, tout va bien. J'ai eu peur que t'aies fait le fou. Bon, allez, ben, je reprends ma pioche comme ça. J'ai trouvé aussi du charbon en bas. On est parti.
Je me sens pas tellement sûr avec mon minerai de fer sur moi. Ah. Oh, du lapis. J'aime pas, j'entends un sale bruit là. Moi, j'entends des araignées chez toi. Ouais. Oh là là, nickel, un truc de lave. Mais moi, je suis bien tombé là, écoute. C'est vrai? Ouais, nickel. Il y a de la lave, donc j'ai pas besoin d'éclairer. Il y a du lapis. Moi, ça va être joli, on va faire des jolies décorations. Je sais pas si on peut la choper avec la pioche en bois. Je vais faire un truc. Ok, c'est un fail. Bon, on va récupérer déjà le charbon. Je vais faire un truc. C'est que je vais faire des escaliers en pierre tellement on a de la pierre. C'est le luxe. Le luxe. Ouais, le fer, je peux pas le récup. Là, on est où? La redstone, là ça peut venir, merde. Bon, ben on va déjà récup ça. Et Okido, je commence à avoir faim, moi. Bois une bière. Bois une bière. J'en bois une déjà. Le coquin. Et ça passe bien. Hop. Bon, faut vraiment, vraiment se faire. Alors, le temps. La bouffe. On est à 20 minutes pour un premier épisode. Ça fait quand même un peu court. Il ne s'est pas passé grand chose. On va partir sur un format 30 minutes. Et ensuite, eh ben, écoutez, vous nous direz par commentaire. Je pense qu'on va enchaîner les deux épisodes. Peut-être. Oui. Et je ne vais plus avoir de pioche. Et moi, je fais des escaliers, c'est cher. Hop, voilà. Donc, je mets le bloc de bois pour éviter qu'en fait, les mobs puissent venir jusqu'à nous. C'est une genre de sécurité en plus. Et on n'a toujours pas d'arbre. Fuck. Si ça se trouve, en fait, il faut pas rester dans la zone des trois, Tita. Ouais, si. Eh, je sais pas. Ah, quoique, non, je pense pas, non. Bon. Il nous faudrait en fait un petit squelette. J'ai une planche de chêne, je la laisse là. Pouf. Ah, mais attends, coucou. On a pas pensé à se faire un four. J'en fais un. Mais il y est là, le four du... Il est où? Mais il est là, sur ta droite. Le coucou. Allez, hop, on va mettre ça là. Ouais. Je vais récupérer les torches. Qu'on met en deux. Voilà. Et ben moi je suis un peu dans la mouise parce qu'il me faut plus que du bois. Donc à part trouver un petit squelettor. Mais j'ai mis une planche de chêne déjà. Ça peut te servir. Là tu montes jusqu'à dehors. Je suis pas dehors encore. Vas-y, je prends une potion de splash. Il n'y a pas le choix là, il faut que j'aille dehors. J'en ai pris une. De la dirt, on approche. Ça y est, on y est. Et attention, j'envoie la potion pour nous deux. Allez, viens, Tita. Oh putain, mais on va crever comme des culs. Ouais. Vite. J'essaie de prendre du blé, je prends du blé, Alex. Adieu. J'ai réussi à choper un truc de bois. Dès que t'as le demi-cœur, tu reviens, hein, t'as plus le choix. Ah, je reviens, je suis là. Donc voilà, vous avez vu l'extérieur, ce que ça fait. On se splash de potions de poison et... Bon, ça va, on n'en meurt pas, mais bon. Au moins, ça me fait du bois. Je peux me faire 4... Alors, j'ai 10 graines de blé, Alex. Ah, nickel! Voilà, je vais me faire que des sticks. Et du coup, j'ai la fierté de vous annoncer que j'ai une pioche en fer. Putain.
Ding Kong. Un fer. Ah ouais. Un poulet le fer. Hein, je l'ai fait cuire mon fer. Je reviens, excusez-moi, parce que j'ai mon con de chat qui veut sortir. Il n'est même pas à moi. Bon, ça y est. Hop là. Et je suis de retour. Bon, ben il fait faim. Ah, du coup, j'ai chopé une autre pour faire pousser un arbre. Cool. Bon, je bloque l'entrée un peu. Voilà, c'est bloqué. Tu as tout bouffé? Haha, j'ai tout pris. Le bâtard. Bon, ben, je m'en fous avec un petit cœur de merde. Je serais d'avis de faire un saut. Donc... Quoique, ah non, on avait dit 2 minutes dehors. C'est ça? Ouais, 1 minute 30, le temps que le poison se fasse, et puis c'est bon. Ouais, il s'est bien fait, hein. Tu veux y retourner? Ben écoute, je pense. Ouais. C'est quoi le plus important? Tu veux quoi, Alex? T'as pris du blé, c'est bon? J'ai du blé. Ah, ok. Je vais le poser dans le coffre. Ah ben allez, parfait. Non, alors pas besoin. Ah, merde. J'ai des couilles. C'est un fail le plus total. T'as fait aussi? Non, t'as pas fait pour semer une houe. Ah non, j'ai pas fait. Non. C'est bon, j'ai fait. Stone houe. Ah mais parfait, attends. Moi, voilà. Faire, avec ma pioche, je fais ça. Ah, on n'a pas d'eau. Ah, oui, c'est ça que. Ah mais ça, à la limite, on peut trouver en profondeur. C'est pas. J'ai fait un saut déjà. Bien. Le saut, je le mets là. Voilà. La pousse de chêne, une fois qu'il est plus. Voilà nos premières petites plantations. Bon, après, alors on va tout agrandir ici. Hein, et on va faire un genre de village. Donc tout sera recentré, une petite ferme. Oui. Là, on se prend le minimum pour survivre. Et du coup, on a encore 20 secondes de poison, 20 secondes d'extérieur. Bon, le temps de monter. Ouais, c'est cuit. Et Ah oui, mais là, en fait, Alex, pour rajouter de la difficulté, il faudrait sortir la nuit, non? Avec les monstres? Avec le poison. Oui, aussi, oui. Je pense qu'on devrait sortir que la nuit. Au moins, ça serait... Ouais, ben là, vu qu'on a un axe extérieur, c'est déjà bon. Alors, on en est à combien de temps? 27 minutes, ça va être la fin, les cocos. Bon, mais on se retrouve pour un prochain épisode. Non, on a encore 3 minutes. 3 minutes? Ouais, en 3 minutes, on en fait. Ben, on va faire le fou avec ma pioche, hein, je vais descendre. Oh. Ah oui, je voulais faire une épée. Je te fais une épée, Alex? Volontiers. Du lapis. Hop, très bien. Et je me fais une pioche. Pouf. Jack, il reste un bâton. Un de nos objectifs, c'est d'avoir je ne sais combien de stacks de charbon aussi. Oui, donc... Alex. Wait, pardon? Ah, moi, je suis en bas, là. D'accord. Tiens, bouge pas. Merci. Voilà. Oh, et je vais faire le fou. Je vais aménager. Encore et encore. Donc déjà, moi, j'aime bien cet endroit-là, c'est ce genre de petite arène. Ça pourra nous servir pour éventuellement faire quelque chose. Hein. Là, pour l'instant... Bon, on va fermer ici. On n'est jamais trop prudent, même si j'ai que 5. On va essayer de faire ça correctement. Un peu genre... tac, ils arrivent là, ils vont bloquer là. Voilà. Ça devrait être bon. Bon, ben, sur ce, les copains, on va se dire ben, à la prochaine. Au prochain épisode. Donc, ben, on va avancer encore un peu notre maison souterraine prochainement. Toujours la collecte du fer, hein, pour ma part. Ouais. Je vais aller chercher Tita pour dire au revoir. Hop, je prends mon dernier bloc de fer. Voilà.
Et je remonte pour le... Ah mais il est là! Oh putain, il m'a enfermé. Je mets des escaliers de partout. Oh, il est mignon. Donc sur ce, Tita, je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Oui, ravi. En espérant que ça vous plaît. Et pour le format, bon, le prochain, ce sera encore une petite demi-heure. Et si ça vous fait trop, vous nous direz et on fera moins ou plus. Allez, à bientôt les copains.